Jodia. Chef l'État Jovenel Moïse mande OEA support technique pour aider la police nationale à faire face carré à exact banditisme et terrorisme. C'est sous point ça, président, discuté avec secrétaire général organisation État américain, Luis Almagro, lundi 15 mars 2021. Trois journées deuil national doit observer sur tout territoire à partir jeudi lundi 15 mars. La décision s'apprend en objectif pour rendre hommage à policiers qui perdu la vie au vendredi 12 mars 2021 dans le village de Dieu d'après secrétariat général présidence. Il y a vent tension soufflé dans plusieurs zones région métropolitaine Port-au-Prince. Là. Objectif mouvement ça, c'est pour dénoncer façon policier qui a perdu la vie dans le village de Dieu. Et puis, les autorités permettent aux familles victimes de joindre le cadavre pour arriver à faire l'enterrement. Premier ministre Joseph Jout présentait ses parties libres et parents victimes pendant l'étape visiter policiers blessés dans l'hôpital Bernard Meuse samedi 13 mars qui s'est passé. Responsable de l'hôpital Université l'État haïtien, Dr Jessie Colimon, porte précision sur incident qui passait dans l'urgence l'hôpital là, côté individu à gros âme rentré dans l'espace là, et puis tout y a un patient qui t'a recevoir soin dimanche 14 mars là. Il y a une situation qui l'a des médecins et personnel l'hôpital là dans gros cas sauté, d'après directeur médical l'hôpital général là. Et puis à l'étranger, plusieurs pays dans le continent européen suspendent la vaccination avec vaccin AstraZeneca. Ils ont découvert quelques complications. Là, il y a plusieurs patients qui prennent le vaccin ça, même si AstraZeneca dit pas gain aucune preuve sous complication ça. Amis téléspectateurs, n'a pas invité nous tous rester branchés ces titres yo avec en pile l'autre information nous prend le porter pour nous dans le téléjournal là pour asseoir. Hold me close and hold me fast. This magic spell you cast. This is love beyond closing. When you kiss me, heaven sighs. And I close my eyes. Love beyond closing. Pour contribuer à la formation d'enseignants compétents et qualifiés, le Collège Saint-Pierre de l'Église épiscopale d'Haïti lance cette année, à travers le CFEF, Centre de formation pour l'école fondamentale et le Jardin de la Forme, le programme de cours suivant. Après trois années, mesdames, cousins, cousines, que côté de Chitala, moi senti douleur à même avec eux. Parce que ce n'est pas ça que nous avons souhaité pour le pays. Héritage que nous avons besoin de dire, c'est un héritage bandit. 35 ans après, le pays a entré dans l'ère démocratique. C'est une production de bandits. C'est une pile de production que zone métropolitaine en bail. Et pourtant, ça n'a pas arrêté comme ça. Parce que nous pas qu'à chaque jour, nous avons crié les policiers. Femmes sommes dans l'opposition, quel que soit ça nous qui nous dit sous la radio, je vous aime tous. Je vous adore. Ça va jamais. Parce que nous connaissons le pays, les besoins nous. Parce que tout le monde dit ça, capturer les policiers. C'est pour nous d'accord que nous n'avons pas de responsabilité là-dedans. Parce que nous avons une contre. Mais si nous tenons tête nous ensemble. Nous avons mis tout vacabon dans le pays en déroute. Pas oublier vacabon en pile. Les vacabon qui n'ont pas alimenté, nous n'avons pas l'argent, c'est vacabon. Les vacabon qui est habillé, qui a mis le monde dans la machine vite, dans le bandit dans la machine vite teintée, c'est vacabon. Les vacabon qui a acheté des âmes à balle dans le pays étranger pour vous ici, c'est vacabon. Et puis plus de vacabon qui a tiré, vacabon avec sa patio. Et. Je dis nous ça. Il y a même tout qui est dans une situation ça. Je dis à eux en contravention avec la loi. C'est des victimes.
mais en contravention avec la loi. Parce que tuer policier, parce que bouler machine policier, parce que kidnapper moun, faut la loi, bayo, il y a une réponse proportionnelle à ça offert. Mais pas oublier, c'est victime. On ne pas battre 10 ans, 15 ans pour ne pas gagner mon genre encore. Nous n'avons pas compte combien nous avons. Qui t'est arrivé, docteur, ingénieur, agronome, ça vous voulez. Son pays que nous construit. J'en ai, parce que il y a des gens qui n'ont pas de courage. Il y a trois gens qui n'ont pas de courage dans le pays. Ou même qui cache les réveils, ou saute entre autour. Suspendre le petit message, compliment l'homme. Mais pas une besoin qu'on y a. Vous parlez tout. Vous dites ça fait mal là. Nous tout mentir à le pas fond. Est-ce que nous courons dans le pays son mal qui est mal, qui fait que l'aide a subi 5 attaques dans 5 mois? Est-ce que construire dans le pays son mal qui est pas bon? Est-ce que construire barrage irrigation dans le pays son mal qui est pas bon? Est-ce que pomper de l'eau avec soleil son mal qui est pas bon? Construire l'école dans le pays son mal qui est pas bon? Est-ce que nous demandons tout de suite ensemble de nous laisser sur ce pays à nous saluer? Est-ce que ça n'est pas bon? Majorité silencieuse arrivé. Et monsieur, dans le village de Dieu, m'a dit nous ça, pour me finir. Rangez quoi nous. N'a pas de son. Si nous conseillons un gamin, cherchons gens. Mettez bas les âmes. Parce que quel que soit l'argent, n'a pas de son. Parce que le pays a un bon président, pas j'en peur. Et qui pas lâche. Et qui donne tout le courage. La police, l'armée d'Haïti, qu'on aime bien nous. Nous connaissons bien les réunions qu'on fait actuellement. Les stratégies qu'on met, va qu'à mettre nous en déroute. Pas de droit de mettre carré dans le pays qui sont hommes de nos droits. Côté l'État, pas qu'on entre là. Ça veut dire, monsieur, me dit nous ça. À tout ça, n'a pas fait, là, nous perdu déjà. Nous avons perdu. C'est sur le mur. Actualité, après poursuivre, toujours dans ça qui gagne, ouais, à question insécurité, hein, pour nous faire connaître. Responsable hôpital Université l'État haïtien, hein, docteur Jessie Colimont. Pour tes précisions sur incident qui passait dans l'urgence de l'hôpital là, côté individu à gros âme entré dans l'espace là et puis tout lié yon patient qui t'a recevoir soin dimanche qui était 14 mars là. Yon situation qui lagué médecin à personnel l'hôpital là nan gros cas sauté d'après directeur médical l'hôpital général là. Docteur Jessie Colimont souhaitait autorité qui concerné yo prend bon jamaisi pour renforcer sécurité dans l'hôpital général. On suit. Effectivement, bon incident malheureux qui est arrivé à l'hôpital hier, dimanche 14 mars, où des individus ont pénétré là au niveau des services d'urgence et ils ont braqué vers des médecins et ils ont éliminé un malade. Et allez, on pense que c'est ça nous a dit, mais nous condamnons l'incident parce que nous sommes institution de santé et nous là pour nous donner soin. Il faut que les prestataires et patients aient au minimum de sécurité pour qu'ils prennent soin. Les médecins n'ont pas de sécurité. Nous permettons que l'institution offre une meilleure sécurité pour vivre tout cas de soin dans l'hôpital général. Donc nous condamnons l'incident. Donc tout le monde peut. L'autre point dans le journal, ça, il y a un directeur cabinet ministre éducation nationale à formation professionnelle, là, professeur Jackson Pléto, qui portait explication sous incident 3 mars 2021, côté l'IT subi attaque, comme quoi l'IT a impliqué dans un kidnapping. D'après professeur, jusqu'à présent, il faut déterminer raison qui t'est fait, yo attaquer machine li, à cause, d'après ça le dit, pas de jam impliqué dans Zach Consa. Jackson Pléto dit, l'important pour direction centrale police judiciaire, avec la justice, faire lumière sous dossier si là. On suit un extrait. M'absorbe la caille, moi.
la rue 2, dans le numéro 12, que tout le monde connaît, m'habite dans le quartier. Et je prends direction avenue Christophe. Alors, pour le monde qui ne connaît la rue 2, son rue qui est perpendiculaire à avenue Christophe. Et côté map sorti pour m'arriver sur avenue Christophe, c'est à peu près 60 mètres. Les m'arriver sous carrefour là, je campe pour me garder si pas une machine qui est venue avant m'aborder carrefour. Et je garde à gauche, je parle de machine, et à droite, mon machine police qui est venue, et fini de venir croiser devant. Il est bloqué, les machines presque collées avec moi dans le camp. Sans ne pas poser aucune question, il a vu des armes sur la machine. Et par contre, vite, beaucoup de gens descendent. Alors l'autre vite est monté, mais vite, beaucoup de chauffeurs, moi-même qui t'a conduit, ils descendent. Il a vu des armes. Ça m'a tombé dans la machine. Non? À un moment de la durée, je me dis, bon Dieu, je ne vais pas mourir dans la machine. Je vais descendre quand même. Je me décide de glisser. Alors, il y a même côté policier qui a tiré. Je me suis sorti dans le bon pan. Je m'ouvre légèrement, je me glisse des sanataires et je couris. À 25 mètres que je couris, je suis tombé, je fais chute. Entre-temps, il y a une machine qui parque, une petite machine rouge qui parque dans la zone rue 2. Je me couche devant. Et en même temps, à quelques secondes près, il y a un voisin qui t'a gardé la barrière à la caille. Maintenant, il ouvrit légèrement, il fait un signe, il courait entrer la caille. Et l'homme entre la caille, il dit, ah, quand il y a un son en bois. Alors, voisin, il dit, c'est go, que tout le monde a ouais, consulté, il en route. Il dit, quand il y a pas de trop sécurité, son cas en bois, plutôt traverser, la femme traverser dans l'autre caille. Les mêmes Kaisa, barrière bail sur 8 toits. Évidemment, monte au mur, traversé dans Kaisa. Et c'est de là, à côté de Kaisa, je fais contact, je relais et chef sécurité ministère. Je dis, ah, mon grand danger, permettre la police vraiment de sauver mon demi. C'est ainsi que l'idim, Libral fait contact avec la police, il relève quelques minutes après pour le dire, il parlait avec deux hauts gradés dans le policier et il y a vu une côté ou l'autre bon. Et 20 minutes après, évidemment, le commissaire Ménard et l'aim, lui dit, la vine pour le secours. Et pendant que l'académie, après le commissaire a dit, après quelques minutes, nous finissons parler, lui dit, maintenant, maintenant, qu'à tirer. Nous dit, est-ce que je suis sorti? Il dit, pourquoi nous finissons arranger les choses? Évidemment, quelques temps après encore, lui dit, mettre sorti, et me paraît devant, quand il est entré, me fait le signe de la même, dit, mais pour le il descend. Avec une machine police qui gagnait 5 policiers là-dedans. Yon a conduit, yon bas côté, yon sous-côté, moi-même la machine là, et on l'autre policier. Mais comme qu'on y a là, la machine là, il y a 5 qui viennent réduire à 4 parce qu'il y a intimé l'ordre à policier ça pour la première machine pendant pour le conduire vers les CPJ. Évidemment, il y a 2 policiers pour la machine pendant. Ils conduisent. Moi-même, j'étais avec 4 policiers dans la machine là, et on l'autre backup qui accompagne. Nous, 3 machines. Machine là-dedans prend devant, machine femme que le policier a conduit, il est en mi-temps, et machine, ou l'autre machine police a convenu dans le DPC. Et elle est arrivée pendant la machine. C'est là qu'on expliquer le policier là, et il y a un policier qui répond, il dit, oui, il est en descend. Mais par contre, je ne peux pas représenter une menace pour lui, il n'est pas gagné là-même, et il n'est pas occupé. Maintenant, le niveau de la DCPJ, il fait déclaration. J'aurais me dit là, je prends note, je fais une déclaration MCN. Maintenant, il a passé combien de temps m'attendre chef de CPJ a dit qu'il y a une réunion qui coûte que j'aime venir. Et l'aile est venu, bon après ça, il m'a échangé avec elle vers les 8h du soir. Il dit que, bon, comme seule question à poser, il dit qui côté mon, qui côté ma travail, qui l'âge moi. Évidemment, je vais détailler ça parce que même pour moi, je t'attends de travail, dit qui sa policier dit, il a reproché. Maintenant, après montrer la carrière, et jusqu'à présent, j'estime que mon grand insécurité est demandé aujourd'hui à justice pays pour faire lumière sur Dramsa. Quand nous allons parler économie, ensemble avec économiste Edzar Emile, qui plaidait en faveur plus structure dans affaires bureau de change en dans pays. Et Jérémy demande responsable pour créer conditions pour gagner plus d'investissements qui fait dans le pays. Ça a favorisé gagner plus de dollars qui rentrent dans l'économie. Économie, c'est Jérémy qui a participé dans l'émission mise au point sous TNH. Invitez-nous suivre. Yon bout.
selon la loi, seulement monde qui a une licence de bureau de change t'a supposé autorisé pour vendre dollars, acheter dollars. Alors que dans la réalité, tout le monde qu'on vend, tout le monde qu'on achète. Et étant donné que bien sont bien qui là, donc chaque monde qui a une chance pour vendre, il demande n'importe qui prix et le monde qui a pas acheté, pas qu'à jouer facile, presque d'accord payer à n'importe qui prix. Si la loi dit qu'il faut qu'on ait une licence de bureau de change pour qu'à faire pour qu'à vendre dollars. Mais si il y a des gens qui vendent qui baguent bureau, est-ce que BHK a arrêté? Il a arrêté. À ce moment-là, nous venons dans la question de la justice. Au exemple, c'est maintenant. Qui contrôle BRH gagné sous des ONG qui recevront un pile de dollars, qui eux-mêmes ont utilisé le canal informel pour vendre? Question de dollars, emploi est beaucoup plus large que l'autorité monétaire. Pour moi, ils sont question de justice, ils sont question de politique économique de manière générale. Pour moi, c'est une question de politique publique, même pour aborder la question, hein, pour qu'on ait dans quel sens tout paramètre pris en compte pour garder la question. Un autre élément qui est important, c'est la question de finances publiques. Ça veut dire que tout autant que on ne peut pas arriver à mettre l'ordre dans la finance publique, pour que le budget de l'État, recette soit capable suffisant pour couvrir des dépenses, on va toujours entrer dans la dynamique, prêter comme dans le BRH. Et chaque fois que BRH a prêté l'État haïtien l'argent en goud, il a augmenté des équilibres. Parce que la valeur de monnaie par rapport à l'autre monnaie, c'est qui quantité dans chaque cap circulé dans la même période. L'État haïtien, l'AZE, il boule les boussettes, déjà prêté 31 milliards de goud dans le même BRH. Mais il passe en conséquence. C'est 31 milliards de goud supplémentaires, c'est création monétaire. De 51 milliards de gouttes en plus qui partent dans la circulation, hein, que vous augmentez, vous mettez en circulation. Pendant ce temps, le dollar va augmenter en termes de quantité. Donc ça veut dire que nous venons rendre goutte de la vie plus léger avec comportement ça au niveau de l'État qui n'est pas jamais capable de gérer équilibré au niveau des finances publiques. So, j'aime dire que vous avez un acteur qui met dame, qui malhonnête, qui remet serrer les que vous avez acheté dollars bon marché. Ça veut dire que est-ce qu'effectivement l'argent qui est injecté a servi cause économique? Est-ce que l'alimenté besoin réel en dollars que l'économie? Merci parce que nous toujours été branchés l'information sur télévision nationale d'Haïti. N'a pas poursuivre pour nous dire plusieurs cadres dans le ministère tourisme participer à une réunion de travail dans l'objectif pour dynamiser le secteur touriste là. Projet région intégré pour département sud, patrimoine secteur tourisme avec renforcement statistique touristique, c'est quatre parmi projets ministère tourisme prévoit réaliser pour l'année 2021 d'après explication CAD Silayo. Une rencontre qui déroulait en présence ministre tourisme Myriam Jean et ministre environnement Abner Septembre. On suit. Le patrimoine et la conception touristique, qu'on appelle le PAST. Et nous passerons également au niveau le projet région intégrée et sud, donc la tourisme. Donc on appelle le sud qui est exécuté dans le sud du pays. Nous verrons également quelques chantiers qui sont en cours dans d'autres domaines, dans le ministère. Spécialement le renforcement des statistiques touristiques. Nous sommes tout à fait disponibles pour recevoir vos avis, vos suggestions concernant ces textes. Les espaces naturels sont aussi des sites touristiques à part entière. Vous devez les prendre en compte. La réforme du métier de guide rend obligatoire le suivi d'une formation initiale spécifique au métier de guidage pour l'accès à la profession, ainsi que des formations continues pour l'ensemble des guides en exercice. Moment arrivé pour nous jouer dans l'actualité en sous-plan international, pour nous faire connaître plusieurs pays dans le continent européen suspendent vaccins AstraZeneca. Ils ont découvert complications là quelques patients qui prennent vaccin si là.
même si AstraZeneca dit pas qu'il n'y a aucune preuve sous complication ça. Pendant ton ça, il y a un pays qui recommençait confiner moun lakayo à cause remontée pandémie. N'a invité nous suivre. C'est difficile ça et bien Westminster dans ville Londres qui tourne sans vaccination pour population anglaise alors que nous avons eu presque 23 millions de monde qui déjà recevoir pour pipiti une dose vaccin depuis la campagne a commencé. C'était super de le faire ici dans l'abbaye de Westminster, le grand siège du couronnement de la nation. Et je crois qu'ils utilisent aussi le musée des sciences, donc c'est quelque chose de plutôt agréable. Si Britannique yo semble satisfait dans ça qui vient pour ouais à campagne vaccination, voler tester à tracer, c'est un autre programme qui pas fait unanimité. Et population a accusé gouvernement britannique là comme quoi il a mal utilisé une enveloppe 37 millions livres. 9,1 millions de personnes ont été contactées. Il s'agit de personnes qui autrement erreraient dans la nature sans savoir qu'elles sont atteintes du coronavirus et le propageraient, quelle que soit l'expérience du coronavirus que le Royaume-Uni a connue, bonne ou mauvaise, elle aurait été bien pire sans la politique du tester et tracer. Dans le pays d'Italie, autorités ont utilisé l'espace tout le monde connaît pour les vaccins. Dans la ville de Rome, c'est cette convention de cloud là qui servit. Comme grand centre pour ça. N'a quitté continent européen, nous pour aller en Amérique pour nous faire connaître une mairie ville Minneapolis aux États-Unis qui acceptait by famille George Floyd 27 millions de dollars dédommagement. N'a rappelé George Floyd mourit dans le mois de mai 2020 après arrestation côté un policier blanc qui mettait pied sous coule pendant qu'il était à terre, il était mouru tout fait. Ils ont parti dans l'agence arbral utile d'après Famillan pour aménagement quartier George Floyd mourir. On suit. Autorité a mobilisé 2000 gardes nationales et plus passé 1 million policiers pour gérer foule là. Si tu as des ordres dans manifestation Black Lives Matter, gros dispositif sécurité établi dans la zone tout autour du tribunal là. Plus passé 1 million manifestants prennent la rue pour continuer à demander pour juger policier Derek Chauvin pour jouer une peine criminalité fait à mériter. Sélection jury a retardé à cause de cette titide qui vient sous charge au Kembe contre ancien policier ça et ça a inquiété manifestants. Nous avions le sentiment que cela pouvait être tardé. Nous espérons et nous prions pour qu'ils aillent de l'avant. Nous avons découvert qu'ils essayaient de faire pression pour faire passer l'accusation de meurtre au troisième degré. Mais c'est trop peu. Nous voulons le maximum. Il devrait définitivement être condamné pour assassinat, que cela relève du meurtre au second degré ou du premier degré. Plus il passera de temps en prison, mieux ce sera. Ancien policier américain a déjà gagné accusation crime second degré à homicide volontaire. Puis la peine, c'est 40 ans prison. Crime en troisième degré a rapproché de homicide involontaire dans Minnesota, plus facile pour prouver, et c'est ça qu'on a aimé contre Derek Chauvin. C'est là toute incertitude l'arrêté. Joignons un jury impartial, c'est tout problème non pour procès ça qui t'a dû l'ouvrir dans le jour. Un décret adopté pour modifier loi sur état d'urgence dans le cadre du Conseil ministre extraordinaire qui déroulait lundi 15 mars là dans le Palais national. Décision ça prend dans l'idée pour bailler Conseil supérieur police nationale en plus moyens pour combattre banditisme et criminalité dans le pays. C'est ça président Jovenel Moïse fait connaître dans un tweet l'Iran public jeudi. Chef l'État, Jovenel Moïse, mandé OEA support technique pour aider la police nationale à faire face carré avec banditis et terroristes. C'est sous point ça, président République l'a discuté avec secrétaire général organisation État américain Luis Almagro lundi 15 mars 2021. Trois journées d'œil national doivent observer sur tout territoire à partir de jeudi, lundi 15 mars. La décision s'apprend un objectif pour rendre hommage à policiers qui perdent la vie vendredi 12 mars 2021 dans le village de Dieu, d'après le secrétariat général présidence. Il y a une tension soufflée dans plusieurs zones dans la région métropolitaine Port-au-Prince. L'objectif mouvement ça, c'est pour dénoncer façon policier ont perdu la vie dans le village de Dieu et puis demander aux autorités permettre
famille victime yo joine cadavre pour arriver faire enterrement. Premier ministre Joseph Jout présenté sympathie par parents victimes pendant l'étape visité policiers blessés dans l'hôpital Bernard Meuse samedi 13 mars 2021. Responsable à l'hôpital Université l'État haïtien, Dr Jesse Colimon, pote précision sur incident qui passait dans l'urgence l'hôpital là côté individu à gros âmes entré dans l'espace là et puis touye un patient qui t'a recevoir soin dimanche 14 mars là. Une situation qui l'a gagné médecin à l'hôpital non gros cas sauté d'après directeur médical l'hôpital général. À l'étranger, plusieurs pays dans le continent européen suspendent vaccination avec vaccin AstraZeneca. Ils ont découvert quelques complications, la caille plusieurs patients qui prennent vaccin, même si AstraZeneca dit pas gain aucune preuve sous complications si là. C'est là le journal arrivé dans Boutlise, mes téléspectateurs. Merci à vous-même qui étaient ensemble avec nous. Et un gros merci pour tout staff nous qui